Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Ouais, oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louais encore. Moi je le louais encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Il est l'Éternel.
Jésus qui est notre aimer. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Sœurs et frères, on nous dit amen encore. Amen. Si ou reconnaissant envers l'Éternel matin, on dit amen encore. Amen. Me senti c'est ça m'a dit seulement matin. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Merci cher jeune pour ce chant qui est profond, qui est simple, mais qui est profond. Redisons ensemble, sœurs et frères, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il mérite la gloire. Il mérite la louange, ses frères. Si moi avons aujourd'hui à nous vivants, c'est parce que bon Dieu mérite gloire, n'est-ce pas? Si moi avons aujourd'hui à nous gagner l'évangile, c'est parce que Jésus mérite gloire. Il mérite louange, honneur. Et vous savez, ce chant fait écho au message que Dieu a pour vous en ce matin. Ainsi, au nom du Seigneur Jésus, je vous salue et je vous dis que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Les sœurs et frères qui nous regardent à travers les réseaux ou qui nous écoutent à travers la radio, que le Seigneur vous bénisse. Oui, je disais que ce chant fait écho au message que Dieu vous envoie ce matin. Même qu'on seul problème, moi me bagne le. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne Comme d'habitude, moi, je ne prêche jamais mon message. Quand je dois prêcher quelque part, une fois que je gagne information, que je prêche en côté, je fais une seule prière. Seigneur, donne-moi le message. Parce que ce n'est pas mon message que je vais prêcher, mais c'est la parole de Dieu. Et en faisant cette prière au cours de cette semaine, pour me dire, bon Dieu, m'a prêché samedi, donne-moi le message. J'ai entendu une voix qui m'a dit, rendez gloire à Jésus l'antidote. Rendez gloire à Jésus l'antidote. Pendant toute la semaine, nous avons vu que Jésus peut faire ci, Jésus peut faire là, ça. Mais, maintenant, il y a un bagage qui passe dans la vie de nos soeurs et frères souvent, qui fait que, bon Dieu, pas prend plaisir dans nous. Et en tant que chrétien, il y a deux attitudes qui sont capables d'influencer la vie de nous et influencer le très fort. Pour moun ki te nan jeune 25 avril, yon parti nan message sa, nou te partage la avec yo. Parce que c'est comme une campagne que Dieu est en train d'être fait. Une campagne que Dieu est en train d'être faite. Pardon. C'est que, bon Dieu estime que moi avou. Toute la journée nous demande. Toute la journée nous gagnons qui ça? Mais nous ne prenons pas assez de temps pour nous bailler, bon Dieu, louange. Nous ne prenons pas assez de temps pour nous compter les bienfaits de Dieu. Et Dieu fait une campagne. Il y a deux attitudes qui ont un chrétien capable de gagner, qui ont influencé la vie. Premier, nous joignons dans Nombre chapitre
11. Nombre chapitre 11. Les versets 1 à continuer. Bon, on a juste l'île. Parce que pas de temps vraiment pour grand commentaire. On a juste l'île. Verset 4 à continuer. Nombre chapitre 11, verset 4 à continuer. Il dit, qui ça? C'est lecture là, nous voulons, Régis, s'il vous plaît. C'est lecture là. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Dans verset 11, il dit, Moïse fut attristé. Il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes et des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Verset 21. Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils mangeront un mois en entier. Donc, appelez-la. Première attitude qui a influencé vie en chrétien, malheureusement, c'est négativement, c'est quoi? C'est l'ingratitude, c'est la murmure. Murmure, c'est un comportement, c'est une attitude qui est capable d'impacter une vie en chrétien négativement. Nous tous connaissons l'histoire avec Israël, comment que bon Dieu sortit avec Israël dans le désert là. Lui sortit avec en Égypte, à bras fort, pas vrai, et à main étendue. Israël passait la mer rouge à pied sec, les rivières soivent l'eau, bon Dieu bral de l'eau, tout ça le besoin, bon Dieu balil. Pour le capable de jambes grand goût, bon Dieu bal la manne. Le pain du ciel. Le pain venu du ciel. Et Israël, rivé dans le côté Kounia là, l'a demandé, bon Dieu, vienne. Bon, naturellement, il n'y a aucun problème, Israël m'a dit, bon Dieu, vienne. Bon Dieu, il y a l'autre pour manger viande. Si m'a envie de manger viande, il faut demander, bon Dieu, vienne. Parce que regarde pas ce bon Dieu à son Dieu comme c'est un dado qui ne connaît pas émotion, nous, qui ne connaît pas sentiment, nous, il connaît. Là, il dit, fais de l'Éternel quoi? Tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, il connaît nos désirs. Mais c'est la façon de demander. Israël a plein pour viande. Ça pire de son bon égyptien, son bon étranger qui était parmi Israël qui commençait plein, et puis ont influencé Israël qui tombait plein tout. Et Tikal viande, s'il vous plaît. Tikal viande fait Israël songer Égypte. Tikal viande fait Israël manifester reconnaissance pour Égypte, des frères. Ça, Israël passait en Égypte. Ça, Israël vive en Égypte. Pour Tikal viande, fait Israël absonger Égypte. Oh, nous songez l'ail, nous songez concombre, nous songez ceci, nous songez cela. Et qu'on y a à Dieu, nous sommes seuls bagailles, ouais, c'est la manne. Quelle ingratitude, sœurs et frères. Israël a besoin de manger viande. Qu'il te dit Moïse, je dis à Ndaï, mais mangeons une viande. Dis bon Dieu, parle à bon Dieu pour nous. Dis bon Dieu, bah nous viennent pour nous manger aujourd'hui. On est bien content. Aussi simple que ça. Mais pas de besoin de mettre wash, tenant pour bon Dieu dans l'état ça. Et parce que Israël a plaigné, Israël a fait même Moïse tomber dans plein, donc son chaîne. Israël a plaigné. Alors, étrangers ont commencé à plaigner. Israël a plaigné. Moïse va tomber plein tout. Libéral dit, mon Dieu, qui est-ce moyen pour laguer un chai comme ça, Sodome? Au lieu que laguer un chai, ça, Sodome, plutôt tout y est Moïse, oui. L'homme le plus patient du monde. Monsieur dit, mon Dieu, tout y est parce que vous quittez un chai, ça, Sodome.
Et plein Israël a fait même Moïse perdu la foi. Les bons dieux dit Moïse comme ça, rassemble le peuple là, prends 70 hommes, m'a mettre l'esprit, Moïse perdu puissance. M'a mettre l'esprit, m'a prendre l'esprit qui dans roi pour mettre le sous 70 hommes et ensuite m'a bail peuple là pour yo manger viande en moi. Moïse 600 000 hommes à pied. Et dès qu'a ajouté sans compter les hommes et les enfants, les femmes et les enfants, ou doit bailler au viande, koto a joindre viande pour bailler tout le monde ça yo. Moïse, oui c'est vrai. Moïse qui prend avec un bâton dans mes Moïse, Moïse a dit longer sous la mer fond en deux, oui. Pour Moïse arriver dans une situation parce qu'il tombe dans faiblesse à cause des plaintes, à cause des murmures, à cause de l'ingratitude du peuple, pour Moïse dit bon Dieu, koto a joindre viande bailler tout le monde ça yo. Chers frères, des fois plein, des fois ces chrétiens qui a plein, on ces chrétiens qui a murmuré, c'est descendre ou descendre. C'est puissance soit perdu. C'est dimension a perdu parce que bon Dieu pas en affaire à monde qui a plein parce qu'il est un Dieu tout puissant. Amen. Il dit Moïse. Est-ce que on bagage qui étonnant de la part de l'Éternel? Eh bien ouais. Si Mbaba et le peuple la viennent pour manger pendant un mois jusqu'à ce que le saute dans le tonnerre. Et chose promise, chose faite, chose réalisée. Bon Dieu fait un bon oiseau sur le côté au saute. Ou qu'a fait 6 heures du matin à marcher pour 6 heures du soir sous oiseau seulement. Et les oiseaux, ça va monter à hauteur d'un mètre sous sol là. On met. Ou marcher 6 heures du matin pour arriver 6 heures du soir sous oiseaux seulement à marcher qui ont les cailles. Histoire dit que famille qui te joigne pipiti quantité d'oiseaux pour manger ya l'été 12 doumes. Chaque grain monde ça des frères joigne 12 doumes viande. Il y a monde qui dit m'ta manger vrai. Pas grand rien qui est possible à l'Éternel. L'orgue problème, c'est pas plein pour plein. C'est manquant bagaille. Son bien matériel qu'on besoin, c'est pour mettre genou à terre pour dire l'Éternel, je te rappelle cette promesse, ou dit dans la parole, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. C'est malade ou pas pour plein. Alors le médecin Israël l'a dit, c'est toi qui pardonne tous mes péchés, c'est toi qui guéris toutes mes maladies, guéris-moi Seigneur. À plein pour appeler des pleins parce que des pleins ont dérangé mon Dieu. Des pleins ont voulu pousser mon Dieu faire miracle et les bon Dieu, il y a des miracles, il y a des miracles, depuis c'est plein pour Dieu faire miracle, miracle ça l'a tourné en désavantage ou. Depuis pleins ont insulté mon Dieu, pousser le faire miracle, miracle l'a tourné en défaveur. Hein, parce que ouais, tout on a parti, on pas même parti pour insulter mon Dieu. On insulter mon Dieu, ouais, mon Dieu qu'a voulu partir à vous, oui. La voie le pour mais le flou a demandé tout en Haïti. Parce que depuis c'est insulte bon Dieu, sans besoin de cabaoul, mais la baoul en défaveur. Donc c'est une attitude pour nous pas gagner, sœurs et frères. Attitude pour nous plaigner. Attitude pour nous ingrats, pour nous oublier les bienfaits de Dieu. Deuxième attitude pour nous gagner en tant que chrétien, je viens dans Luc chapitre 16, Luc chapitre 17, verset 12 à 19, que nous ne pouvons pas gagner en lit malheureusement. Il dit que il y a 10 lépreux, nous connaissons l'histoire, il y a 10 lépreux qui adressent à Jésus, il dit Jésus, guéris-nous. Et il dit, allez vous faire voir, allez vous faire montrer au sacrificateur. Effectivement, pendant que vous êtes en route là, vous remarquez que vous, qui ça? Vous guéri. Et il y a un nan qui est un samaritain, l'aile où elle guérit, il retourne sous pâle. Il vient prosterner. Dans le pied Jésus pour lui dire merci. Et Jésus pose une question, il dit, côté l'autre neuf, yo, n'ont-ils pas tous été guéris? Qui ça Jésus dit? Qui ça Samaritain répond? Oui, yo, guéri. Tout le monde guéri. Il dit, mais pour qui ça que c'est ou même en tant que un Samaritain, c'est-à-dire, ou pas un juif, ou pas un enfant de la promesse, c'est lui-même qui vient, remercier. Et parce que monsieur fait travail ça, monsieur joint une bénédiction en plus. Jésus dit, levez, ta foi t'a sauvé.
Samaritain te croit que c'est bon Dieu qui guérit. Et parce qu'il croit que c'est Jésus qui guérit, il retourne et vient manifester reconnaissance envers bon Dieu. Et deuxième attitude qu'on chrétien, sous gagner l'a impacté vie. Mais cette fois-ci, c'est positivement, c'est la reconnaissance. Samaritain, il était reconnaissant. Li connaît dans qui est ta culte, li connaît qui j'étais malade, qui j'étais que yo t'ai metté à l'écart parce que la lèpre à l'époque c'est ton maladie qui t'ai fermé tout en quarantaine. Soit passer dans zone faut qu'on cloche ou bien on reler bien fort impur 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 sinon il y a lapido. Jeune homme n'était retourné pour te dire bon Dieu merci parce qu'il était guéri. Qui attitude qu'on voulait gagner matin? Vous voulez ingrat ou bien vous voulez reconnaissant? Combien de monde qui veut reconnaître ingrat? Côté ingrat, vous pouvez lever main. Pas ingrat ici. Je suis bien content que tout le monde qui est là, qui est sorti de Bethany, qui est sorti dans notre église, c'est des gens qui reconnaissent. Moi, matin, je ne peux pas quitter bon Dieu, adresser mon reproche ça que le fait dans Somme 50 là. Les d'Israël, moi, convoqué, rassemblez tout le monde. Sacrifice constamment devant. Est-ce pour tes offrandes que je te fais des reproches? Car tes sacrifices, tes holocaustes sont constamment devant mes yeux. Mais moi, je fais un reproche parce que ou pas loué massé. Je fais un louange parce que ou pas exalté massé. Elle dit chaque jour à bouler graisse devant. Est-ce que je grand goût? Si je grand goût, est-ce que je tape tout ça? Si je soif, est-ce que je tape tout ça? La terre n'est-elle pas à moi? Et puis il conclut. Dans verset 14 et 15, donc il invite au relire avec nous, Somme 50, 14 et 15. Il conclut la donne. Somme 50, verset 14 et 15. Il conclut pour dire, offre pour sacrifice. Offre pour sacrifice à qui? Des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me gardes son cycle. C'est bye bon Dieu louange, m'a délivré, bam louange pirette. Bye bon Dieu louange, m'a délivré, bam louange pirette. Son cycle. Est-ce que nous avons un côté vous plein là? Pas un côté vous plein là. Donc, vie chrétienne, c'est une vie d'action de grâce que liée. Vie chrétienne, c'est une vie qui est consacrée à la louange. C'est une vie qui est consacrée pour bon Dieu gloire. Qui sont venus faire matin? Moi, je veux bon Dieu gloire. Je veux bon gloire pour tout ça le fait pour moi. Je veux chanter hommage le matin. Oui, je veux bon hommage parce qu'elle méritait ça. J'ai besoin d'un soeur. Besoin de soeur. Besoin quelques frères pour mettre ensemble avec moi pour bailler mon Dieu louange matin pour ça lier pour ça le faire. Est-ce que pas joindre ici? Est-ce que pas joindre ici? Amgel pas joindre en pile. Vers toi monte notre hommage. Fils de Dieu puissant sauveur. Nous allons chanter ce chant pour nous capable bailler mon Dieu louange honneur que lui-même seul méritait parce que moi-même pas prendre reproche ça. M'pas quand si me prendre lien. Il y a une semaine, mais à partir de jeudi, je ne peux pas prendre reproche pour que mon Dieu dise ingrat, pour que mon Dieu dise pas louange assez, pour que mon Dieu rende compte que je suis plus plein que je vais compter ses bienfaits. C'est pourquoi je veux le louer en ce matin. Nous chantons ensemble, assis. Vers toi, monte notre hommage. Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Et
chanter avec âme. Pesez sous moyo. Pesez sous vos bleus qu'a traversé nos cœurs et frères. Notre rançon. Couplet, bientôt glorieuse attente. Bientôt glorieuse attente. Tu combles à tous nos voeux. Sur la nuit étincelante. Oui, tu viendras. Si Jésus dit pour nous rendre gloire à lui-même qui c'est antidote là, grande raison pour ça. Grande raison pour ça. Et parce que le senti son nécessité. Donc pour nous chanter à peser sous moyo, quitter parole traverser pour que ça Jésus a fait avant matin, lui fait à la gloire de Dieu. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le par le même cœur. 157. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons le temps, même cœur. Chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous a fait naître. Nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que lui se doit paître et qu'il comblera ses bienfaits. Reçois, ô Dieu, notre orage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure, ta gendarme, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons.
vous poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité, génération en génération. Psaume 118. Psaume 118. N'a pas fini dans verset 26. Psaume 118 à verset 26. 1 à 26. Louez l'Éternel car il est bon. Par sa miséricorde, il l'a toujours. Qu'Israël dise. Par sa miséricorde, que Béthanie dise. Par sa miséricorde, il l'a toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent. Par sa miséricorde, il l'a toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel, on dit ça encore. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secoué. Une troisième fois, tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. En dit encore, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. En dit avec foi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons dans la maison de l'Éternel. Amen. Oui, bon Dieu, méritez gloire, chers et frères. Chagrin, pas qu'à faux, papa, bon Dieu, gloire. Parce que notre chagrin, au bon Dieu, là. Maladie, pas qu'à faux, papa, bon Dieu, gloire. Parce que notre maladie, au bon Dieu, là. Pas qu'on ait désolation, disette, pas qu'à faux, papa, bon Dieu, gloire. Parce que notre servi, au bon Dieu, qui est immensément riche. Il y a un Dieu qui a tout bagaille, qui a tout pouvoir, qui a fait tout miracle, chers et frères. Nous trouvons, by mon Dieu, gloire dans circonstances. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel. Oh, j'aime le deuxième couplet. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin, mais je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. En toutes circonstances, nous devons chanter la gloire de Dieu, chers et frères. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours.
chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin. Je chanterai dès le matin. Quand tout est clair sur mon chemin. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi mon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, je chanterai. Au chant ton don jusqu'au grand jour. Au chant ton don jusqu'au grand jour. Au réuni dans ton amour. Quand Dieu nous verrons tes splendeurs. Et nous dirons de tout nos cœurs. Et nous dirons de tout nos cœurs. Toujours. M'invite au méditer dans le cœur pendant qu'on debout. Essayez de repasser bien fait, mon Dieu, dans la vie. Pour est-ce que le fait que parce que vous avez une machine non désirée, est-ce que bon Dieu pas bon dans la vie? Méditez pour peut-être dans la femme, c'est seul ou seulement qui est chrétien. Tout l'autre monde est dans la danse loi, tout l'autre monde est dans le service Satan. C'est seul ou même bon Dieu prend, lui mette en dans l'église, lui mette parmi les gens qui sentent bon. Réfléchis pour même si vous composez des cas là qu'on besoin. Est-ce que bon Dieu va bon pour vous? Non côté qu'on travaille, son côté qui est très dangereux. Non marché côté hier, son côté qui est très dangereux. Méditez pour eux. À qui point bon Dieu lui bon pour vous? Parce qu'il mérite ça. Il mérite louange. Il mérite pour nous capables de reconnaître envers lui-même. Il vraiment mérite ça. Il vraiment mérite ça. Conscient qui me pape j'en fin compté. Je n'ai pas courage pour me compter bien fait, bon Dieu, parce qu'il est grand. Tout bien fait. M'en dis affiché chance à vous, s'il vous plaît, monsieur. Mais l'esprit, oui. Moi, non, moi, bouche, moi, dis où, merci. Tout ça, moi, tout ça, moi, connaître. Au bon pour moi, ramasser cœur pour du bon pour moi. Au bon pour moi. Bon Dieu, bon, soeurs et frères. Au bon pour moi. Sous car on vit aujourd'hui, bon Dieu, bon, soeurs et frères. Au bon pour moi. Papa, où vive dans moi? Papa, où vive dans moi? Et conscient. Oh, aime conscient. Que pas j'en fin chanter. Que pas j'en fin chanter. Mais fais où yo? Mais l'esprit moi dans moi, bouche moi fait louange pour vous. Mais l'esprit moi dans moi, bouche moi fait louange. Tout ça moi y est, tout témoigne, j'en bon pour moi. Oh, tout ça moi y est, tout témoigne. Ouvre cœur pour dire bon Dieu bon pour moi. Au bon pour moi. Au bon pour moi.
Alléluia, au bon pour moi. Alléluia, alléluia, au bon pour moi. Donc ça m'a dit, ah oui. Alléluia, alléluia, au bon pour moi. Moi, conscient, au bon pour moi. Bon ça, c'est frère. Bon Dieu, Paul mérite louange. Bon Dieu, Paul mérite gloire. Avant que nous recevions bénédiction avec ancien roulé, nous voyons ton chant qui compte double tranchant. Un chant qui gagne double objectif. Son chant pour remercier bon Dieu pour un bagage qu'il fait pour vous. Ou pas de jambes de quoi que ça t'est arrivé. Ou pas de jambes de quoi que miracle ça t'est possible. Et c'est cadeau, cadeau, ouais, mon Dieu fait. Ça c'est le premier objectif là. Deuxième objectif là, son objectif prophétique. Oui, c'est un chant qui parle d'un objectif prophétique. C'est-à-dire que, qu'on bagaille pour pouvoir opérer dans la vie. Ou pas quoi ça. Ou pas dire, ou pas, j'aime qu'à quoi ça pour ça t'est arrivé. Parce que son bagaille est merveilleux que la pillé. M'bagan pour qui ça, Jésus, antidote la mande pour la gloire, ma terre. Mais l'idée me dit que y a un miracle qui peut l'opérer. L'idée me dit que y a une délivrance qui peut le faire dans l'assemblée. À yeah. Nous glorifier pour par ce chant prophétique. Oui, il fait. Oui, il fait. Amen. Mon Dieu fait. Alléluia. Oui. Elle mieux que pour saisir. Mon cas est mieux que pour saisir. Oui, il fait. Oh, bon Dieu fait. Oui, il fait pour moi, mon Dieu. Ça y est, pas de fléau. Ça y est, pas de fléau. Ça y est, pas de penser. Ça y est, pas de penser. Y'a pas même imaginé. Y'a pas même imaginé. Mais bon Dieu fait. Mais bon Dieu fait. Tout plein de fait comme moi. Oh, tout plein de fait comme moi. Pour moi, pas de réussi. Pour moi, pas de réussi. Mais l'éternel campé pour moi. Mais l'éternel campé pour moi. Il est peut-être moi, alléluia. L'il est fait être oui, il est fait, bon Dieu fait. Alléluia. Oui, il est fait pour moi, bon Dieu, non fait, oui. Yeah.
pas qu'à comprendre maintenant. Ou pas qu'à comprendre. Parce qu'on pas dans place moi. Parce qu'on pas dans place. Bon Dieu sorti loin avec parole pour. Bon Dieu sorti loin avec. Pour m'arriver là. Pour m'arriver là. Témoignage en pile. Témoignage. Souffrance au papiti. Souffrance au papiti. Espoir te semble fini. Espoir te semble fini. 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 Mais bon Dieu. Ou vicaire pour dire bon Dieu fait. Oui, les si pour qu'on fait, libre à faire. Bon Dieu. Si pour qu'on fait, libre à faire. Ramassez cœur, ramassez force oui, pour dire oui, il fait. Oui, fait pour moi, bon Dieu. En fait. Oui, Jean-Pierre honneur soit à notre Seigneur. Alléluia. Gloire sans foi. Oh, on est ouais. Maintenant, que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que notre Dieu Tout-Puissant ouvre les écluses des cieux en cet instant et qu'il déverse ses bénédictions en abondance sur chacun des adorateurs de ce jour. Que l'Éternel bénisse Béthanie. Amen. Amen.